à ce quatrième rendez-vous des petits-déj du cours. Ce matin, nous avons un agenda chargé. Alors, commençons sans plus tarder avec Vincent Patard et Stéphane Aubier pour le bruit du gris. Messieurs, le bruit du gris s'inscrit dans le projet Dessine toujours, qui est un appel de projet, en fait. Est-ce que vous avez d'emblée décidé d'y participer, de soumettre quelque chose dans ce cadre-là? Ben, pour nous, c'était une période un peu importante parce qu'on était en train de préparer le tournage d'un nouvel épisode de Panique au village. Et du coup, on a mis en place une équipe pour la préparation du film et préparer le tournage. Donc le projet dont nous ont parlé Canal+, nous intéressait, mais on ne sait pas très bien comment gérer les choses. Mais on a quand même envie d'y participer. Donc c'est un peu pour ça qu'on a imaginé une idée la plus simple possible et la plus évidente à mettre en place. Il y a quelque chose d'étonnant dans le bruit du gris, c'est qu'on ne... On ne perçoit pas d'emblée la bande de Panique au village comme étant les porteurs d'un contenu politique, tandis qu'il s'agit d'une collection qui est politique. Et effectivement, je dirais, ce propos passe bien dans le film. Donc, comment vous vous êtes situé par rapport à ça? Je crois qu'on a d'abord essayé de... On voulait absolument éviter de mettre des paroles et de parce que c'est quand même un sujet assez délicat, donc du coup il fallait vraiment aller au plus simple on a d'abord imaginé quelque chose de visuel de toute façon et c'était ça le et puis aussi le truc c'est que comme on n'avait quand même pas énormément de temps pour tourner ce petit film, on a décidé comme ça de faire un plan séquence et d'installer le décor et de lancer le truc. C'était une performance en même temps, parce qu'on a tourné pendant toute une semaine, Stéphane et moi, on se relayait toutes les 12 heures. On n'a pas arrêté de tourner une seule fois, quoi. Donc vraiment 24 heures sur 24. Ouais, oui, pendant toute une semaine, oui. Du mardi au samedi soir, et le film, on l'a terminé le lendemain des attentats du 13 novembre. Donc ça prenait encore une dimension supplémentaire, du coup. Une question d'ordre plus général. Vous êtes à l'origine d'un énorme succès, d'un succès culte, donc, qui est ce Panique au village. Cette année, vous êtes à Annecy avec deux productions dans deux catégories différentes. Avez-vous l'impression que ce succès peut finir par vous emprisonner? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse? Comment vous vous situez vis-à-vis donc de la force même de votre création et de l'univers que vous avez créé? En fait, on ne voit pas tellement les choses comme ça. Enfin, c'est plutôt, on a toujours envie de raconter des choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est toujours d'inventer des choses qui nous intéressent à le remettre en place, de réinventer des concepts à partir de ces petits éléments de base. Et c'est un peu ce qui nous motive dans le projet de Panique au village et les autres projets aussi. Parce qu'on a d'autres projets aussi qu'on aurait envie de faire en 2D avec des personnages qu'on avait inventés avant qui s'appelaient Pic et André. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on a envie de faire. Mais on a vraiment envie de réfléchir les choses de telle façon à ce que l'univers soit le plus cohérent possible et nous emballe. Question de la salle, Monsieur Bernard Genin. Bravo d'avoir réussi à suggérer le massacre de Charlie Hebdo sans montrer une goutte de sang. Et c'est une question technique que je voulais vous poser. Vos personnages sont toujours les pieds liés sur un socle, ça doit être vachement difficile à animer. Et je me souviens que Trenka, il vissait ses personnages avec des vis sur ses plateaux. Quand vous avez un cheval en équilibre sur des escaliers, comment vous faites? Vous les collez, vous les décollez, vous les recollez? Le cheval, pour le coup, il a vraiment... il tombait souvent. Non, mais on a une espèce de pâte qui s'appelle Blue Tack. Et ça permet de coller les trucs. Mais pour les socles, en fait, ces socles, ça nous aide vraiment à faire vraiment vivre les personnages. Parce que comme on travaille beaucoup... Enfin, c'est par substitution, en fait. On ne manipule pas les figurines devant la caméra. Et donc,
quand on a un personnage fixe qui marche, c'est une seule figurine, et c'est cette en glissant une petite boule de plasticine sous ce socle qui fait qu'on peut apporter un semblant de souplesse dans le mouvement. Et il y en a un de vous deux qui est plus scénariste que l'autre, ou vous avez écrit tous les deux le scénario de ce film ? En fait, on écrit à trois, avec Vincent Tavier, qui est aussi le producteur de chez Panic. Et on joue un peu au ping-pong entre nous. Mais c'est Stéphane qui fait le storyboard, par contre, quand on fait une version définitive dessinée du scénario, c'est Steph qui fait le storyboard. Et donc, c'est une semaine entière de travail, ce film. Oui, dans le cas du bruit du gris, c'est ça. Mais c'est, pour revenir à l'animation des personnages, c'est vrai que c'est, en fait, on oublie de dire, oui, tous les gens se disent, oui, ils ont mis des figurines parce que c'est des feignants et ils ont pu les effacer dans Photoshop. Mais en fait, les socles, c'est en fait, nous, notre cœur, il est là, mais le cœur de ces personnages-là, il est dans leurs pieds, parce que s'il n'est pas cette petite boulette de plasticine minuscule qui réagit de millimètre en millimètre, c'est vraiment ça qui donne la vie au personnage, c'est le fait qu'il y ait des déplacements qui soient penchés, et c'est vraiment ça qui donne un petit peu comme les on prend souvent référence les films de Charlie Chaplin, ou enfin, de la pantomime de ces personnages, la manière dont ils se déplacent est super précise, et nous cette précision-là, on l'obtient justement avec la plasticine qui se trouve en dessous des petits socles. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous vous étiez succédé sur le plateau, bon, vous aviez travaillé en alternance pour ce film-là. Mais est-ce que sans aller jusqu'à ces deux périodes de 12 heures sur 24, est-ce que vous avez l'habitude de vous succéder sur le plateau ou de diriger des plateaux différents? Comment est-ce que vous séparez le travail au moment même du tournage? En fait, on anime à quatre, en général avec Ben Tesser et Steven Double, qui font partie de Beast Animation, qui coproduisent les films de Panic avec nous. Et donc, en général, on installe 5 ou 6 plateaux et il y en a toujours 3 qui tournent pendant que les autres sont en préparation. Et en général, Stéphane et moi, on a déjà travaillé tellement longtemps sur le storyboard, on est assez sur la même longueur d'onde. Et on se partage les plateaux. Et Stéphane est sur un plateau, moi sur un autre. Et puis, il faut savoir qu'avec Panic au Village, ça nous permet aussi parfois de revoir un petit peu ce qu'on veut raconter. On fait un peu d'impro aussi parfois. C'est un petit peu, on est entre l'anime traditionnel et live action. Quoi. On a, devant la caméra, on a encore des idées qui peuvent venir. Et donc, on se concerte souvent quand il y a des nouvelles idées qui arrivent comme ça. Et En fait, c'est une technique qui n'est pas figée. En fait, on peut toujours improviser, que ce soit dans l'animation de personnage, mais même si un élément, vous avez envie de rajouter un élément graphique dans l'image, s'il n'a pas été inscrit dans le storyboard, s'il n'a pas été prévu dans le planning, il y a toujours moyen de rapporter des choses dans un plan. Voilà. Une autre question. Oui, monsieur, derrière la caméra. Oui, bonjour. Oui, vos personnages, je reviens à vos personnages, que ce soit dans le bruit du gris ou la rentrée des classes, que j'ai pu voir également. D'ailleurs, on reconnaît tout de suite votre patte dans le film. La question, c'est l'utilisation de personnages comme ça, est-ce que c'est pas un petit peu une nostalgie à votre adolescence de jouer au petit soldat? Je ne sais pas. Enfin, moi, je me souviens, je jouais plutôt avec des schtroumpfs qu'avec avec ces petits personnages-là. En fait, ces personnages-là, je pense que dans la plupart, ils ont été inventés dans les années 50, 60. En fait, on trouve le design de ces personnages-là. Plus ils sont imprécis, plus on les trouve beaux, parce qu'il y a quelque chose à interpréter. C'est vraiment des silhouettes, finalement. On joue avec des... on pourrait les imaginer, ils pourraient être noirs et blancs, et ça, on pourrait jouer avec ces personnages-là. C'est plutôt dans le côté... je repense au film muet, où c'était très... Oui, où les Buster Keaton, où les choses étaient finalement... Ils étaient vraiment obligés, avec le peu de moyens, d'exprimer les choses les plus clairement possible. Vincent Patard, Stéphane Aubier, merci.